Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Dylan. Salut mon copain. Salut mon copain, salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de Tottenham, plus particulièrement d'Harry Kane et même un peu plus de l'histoire de la Première Ligue. Alors le principe du live, par contre, vous commencez à le connaître. Deux chroniqueurs vont donc s'affronter pour répondre à la question suivante. Harry Kane est-il le meilleur attaquant de l'histoire de la Première Ligue? Donc, je vais défendre la théorie du non, pendant qu'Ilan, lui, va défendre la théorie du oui. On est toujours OK? On est OK là-dessus. Allez, c'est parti. Tu démarres les hostilités. C'est parti pour toi. Allez, c'est parti. Donc, pour répondre à la question, Harry Kane est-il le meilleur attaquant de Première Ligue? Je pense qu'on va fatalement être obligé de le comparer à d'autres joueurs. C'est un peu l'idée qui pourrait prétendre à ce titre de meilleur attaquant. Parce que si tu me dis que Harry Kane ne l'est pas, je te répondrai OK. Mais alors qui? Donc on va forcément avoir plein de noms qui vont nous venir en tête assez naturellement. On va y venir ensemble au fur et à mesure du débat. Mais pour moi, Dans la catégorie Première Ligue, il n'y en a pas un qui fait le poids face à Harry Kane. Donc, je vais tous les éliminer et je vais déclarer Harry Kane vainqueur. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons possibles. Enfin, en tout cas, il y a deux raisons principales. Tu vas avoir soit les joueurs qui ont été, lors de leur passage en Première Ligue, énormes, très performants, voire même stratosphériques, mais ils l'ont été sur une durée trop courte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la majeure partie de leur carrière en Première Ligue. Donc là, comme ça, je vais penser à des Cristiano Ronaldo, je vais penser à des Van Nistelrooy, des Suarez, plus récemment des Kun Agüero. On va tous être d'accord pour dire qu'ils ont été excellents en Première Ligue, mais ils ont fait une grande partie de leur carrière ailleurs. Donc on ne peut pas dire que ces joueurs-là sont potentiellement... Enfin, l'un de ces joueurs-là est potentiellement le meilleur joueur, le meilleur attaquant de Première Ligue. Mmh. Et tu as la deuxième raison, qui est pour moi plus simple, c'est qu'ils ont tout simplement été, pour les autres, moins performants qu'Harry Kane. Stats à l'appui. Donc, on pourra citer, après, il y en a plein qui vont nous venir en tête, encore une fois, les Drogba, les Rooney, les Owen, les Andy Cole, qui tu veux, on y reviendra. Ils ont été moins performants qu'Harry Kane. Alors, on ne va pas s'étaler sur les stats, ce n'est pas le but du débat, mais je vais t'en sortir une quand même, parce que pour moi, elle est quand même assez révélatrice. Harry Kane, c'est celui qui a le meilleur ratio but par match en Première Ligue. Donc voilà, c'est quand même assez... Ça parle quand même assez. Tu ajoutes à cela le fait que c'est un joueur exemplaire, qui a un état d'esprit excellent. Il n'a pas la vie facile à Tottenham, notamment par rapport à son boss. Mais il a toujours l'état d'esprit qu'il faut. Il repart au charbon à chaque saison. C'est un joueur qui est complet. Il marque du droit, il marque du gauche. Il marque un nombre incalculable de buts de la tête. Il s'est marqué dans la surface. Il s'est marqué depuis l'extérieur de la surface. Il est redoutable sur penalty. Pour moi, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur tireur de penalty. Alors, ça fera sourire certains parce qu'on va tous se souvenir de son pénalty à l'Euro, forcément. Mais dans le nombre de tirs au but qu'il tire, il en rate très, très, très peu. Bref, il sait tout faire. Je conclurai assez rapidement parce que je sais que le temps est compté. Je dirais juste qu'en Première Ligue, il a quand même marqué de son empreinte sur son passage, alors qu'il n'est pas encore fini. Il peut encore améliorer son passage. Mais à ce jour, il a fini trois fois meilleur buteur du championnat. Il a même réussi l'exploit en la saison 2020-2021. Il a fini à la fois meilleur buteur et meilleur passeur du championnat, ce qui est quand même une performance assez exceptionnelle. Il y en a qu'un, alors c'est assez drôle parce qu'il y en a qu'un qui a réussi à faire la même chose. C'est la saison suivante, c'est Mo Salah qui l'a fait. Avant ça, ça n'avait jamais été fait. Mais bon, je dirais juste qu'il a réussi à le faire avec moins de passes décisives, mais bon, ça lui a suffi à être meilleur passeur aussi. Donc bravo à lui. Mais bon, voilà, pour toutes ces raisons, Harry Kane est le meilleur attaquant de Première Ligue.
Ok, bah écoute, je pense que là, tu nous as fait une vraie belle démonstration du niveau d'Harry Kane et de ce qui pouvait nous amener à justement ce débat. Donc écoute, moi je vais enchaîner moi aussi. Alors, hop, je démarre mon petit chrono. Alors, pour moi, quand on parle de Première Ligue et de buteur, moi, il y a un nom qui me vient. Je suis désolé, moi, ce n'est pas Harry Kane. Alors, peut-être que je suis d'une autre génération, mais pour moi, il y a un nom, c'est Alan Shearer. Alors, rien que le nom, je ne sais pas, je sais pas, quand j'étais petit, je le trouvais classe. Je ne sais pas, il avait tout du buteur, ce gars. Il était bon dans la surface, il avait une détente de fou, il avait un timing dans la tête, dans la frappe de balle, et surtout, il avait la régularité. J'adore. Voilà, je pense que quand on a commencé à suivre le foot, ce genre de joueur-là nous a un petit peu marqué. Quand on regarde un peu sa carrière, on voit que le gars, il commence à Blackburn, il fait 3 saisons de suite à plus de 30 buts. Je répète, hein, 3 saisons de suite à plus de 30 buts. Derrière, il y a un transfert à Newcastle, et c'est là qu'est le problème pour Shearer. La vie tranchée, ce n'est pas sur Alan Shearer, bien évidemment, mais c'est juste que comme il est parti après à Newcastle, il a continué d'aligner les buts avec la même régularité, mais comme il a rejoint un club moins prestigieux, moins ambitieux, bah forcément, on a un peu moins parlé de lui. Mais je vois juste quand même que ses 260 buts en 441 matchs, je t'apprends rien, c'est lui qui est le détenteur pour l'instant de ce fameux record. Maintenant, je te le concède. Il n'a pas le même ratio, Harry Kane étant bien devant. Mais pour arriver, si on devait à un minimum les départager, il y en a un qui a été champion avec Blackburn, et il y en a un, malheureusement, pareil, je ne vais pas te l'apprendre, il a un palmarès qui est désespérément vierge. Alors, quand on parle de Première Ligue et de buteur, et pour moi, évidemment, Shearer, c'est le premier nom, mais Rooney, c'est impossible de pas le préciser. Alors, lui aussi, c'est pareil, c'est 208 buts en 492 matchs. Lui, il a laissé une vraie trace indélébile, on va dire, dans le foot anglais et dans la première ligue. Le ratio, il est moins impressionnant que Shearer, qu'un Kane ou même d'autres, mais c'est au final assez logique parce que quand on se rappelle un peu du joueur que c'était, c'est pas un pur neuf, Wayne Rooney. Donc, un peu 10, un peu 9,5, après il a même continué à être un peu 8, enfin, c'était pas en tout cas un vrai attaquant de pointe. Et donc, dans ce contexte, le retrouver déjà troisième meilleur buteur de l'histoire de première ligue, c'est déjà un exploit. Si on ajoute le palmarès, lui, pour le coup, qui est complètement XXL comparé aux deux qu'on vient de citer, il y a débat. Maintenant, on parle de Shearer et on parle de Rooney, mais il y a aussi d'autres clients aussi. On parle de Andy Cole, de Aguero, de Henry, de Van Persie, d'Owen, d'Anelka, de Drogba. Il y en a plein, t'en as cité, et on pourrait continuer comme ça pendant des heures, sans oublier aussi, pareil, les moins célèbres. Eh ouais, j'ai bossé un peu mon sujet, les Robbie Fowler, les Jermaine Defoe, les Teddy Sheringham, les Les Ferdinand, tout cela, c'est plus de 100, 150 buts, voire 200 buts en première ligue. Donc je sais, je vais les chercher loin, mais ça montre que cette première ligue, créée en 1992, on le rappelle, on ne parle pas de l'histoire du championnat anglais dans sa globalité, mais vraiment de la première ligue, c'est vraiment qu'il y a eu des attaquants de grande qualité qui y sont passés. Harry Kane, il en fait bien évidemment partie. Mais lorsqu'il s'agit de déterminer le meilleur de l'histoire, il reste à la fois à la portée de Shearer parce qu'il ne l'a pas dépassé. Rooney derrière par sa carrière, je pense qu'il est quand même, il est quand même supérieur. Et donc, si on voulait faire un espèce de classement, mais encore une fois, c'est subjectif, pour moi, il devrait partir de Tottenham. Malheureusement, je suis désolé. Malheureusement, je pense que pour lui, pour sa progression, il faudrait qu'il parte. Mais partir dans un autre club anglais, j'ai du mal à l'imaginer, vu l'échec avorté à City. Et derrière ça, j'ai peur que malheureusement, il reste comme un énorme buteur, une légende à Tottenham, assurément, mais pas le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Voilà pour ma part. Moi aussi, j'ai explosé les côtes. Oui, mais tu as dit plein de choses intéressantes. Je vais essayer de défendre mon Harry par rapport à ce que tu viens de dire. Tu as raison, je te rejoins sur plein de choses que tu viens d'évoquer. Mais pour moi, si tu veux, le fait qu'il joue à Tottenham, pour revenir à ta comparaison, notamment avec Wayne Rooney, dans un premier temps, ça lui donne quelque part plus de mérite.
C'est vrai. Parce que quand tu évolues dans une équipe qui ne t'offre pas forcément le meilleur environnement, je dirais, pour briller, est-ce que ce n'est pas plus méritant finalement? Je pense Quand tu que. as un Pierre-Emile Højbjerg et un Richarlison qui sont au demeurant des bons joueurs, hein, ils sont sympas, est-ce que ce n'est pas plus compliqué d'être performant que quand tu as un De Bruyne et un Pierre, et un Bernardo Silva qui te servent des galettes? Est-ce que ce n'est pas plus compliqué que quand tu évolues dans une équipe, comme ça a été le cas cette saison avec Haaland, qui a fini la saison avec quasiment 100 buts? Donc voilà. Quand tu me sors ce genre d'argument, c'est difficile évidemment de sous-estimer le club dans lequel il performe et surperforme depuis des années. T'as raison. C'est ça. Donc, tout le mérite lui revient. Alors, on pourrait lui reprocher en plus de rester à Tottenham et de rester dans son confort. Sauf qu'on a tous compris, je pense, que ça fait quand même 2-3 saisons que dans l'idée, il aimerait partir, mais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel Levy et que tu peux lui proposer 300 millions pour aller le récupérer. Il te dit non, en fait. Non, 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 Et non. non. Donc, peut-être que là, pendant cette intersaison, les choses vont évoluer. À un moment donné, il va peut-être céder. Mais ça fait 2-3 saisons, il n'y a rien à faire, il ne veut pas le lâcher. Donc, contraint et forcé, Harry Kane continue à évoluer à Tottenham. Ah, bien Mais sûr. je reste persuadé, alors je n'ai pas pleuré pour lui, hein, il le fait dans d'excellentes conditions salariales notamment, il a été prolongé et revalorisé. Mais en tous les cas, moi je reste persuadé que s'il était parti et s'il part cette saison, il serait, quoi qu'il arrive, performant où qu'il soit, alors que ce soit en première ligue, je pense que lui, dans son esprit, idéalement, il aurait voulu le faire pour battre le fameux record d'Alan Shearer que tu évoquais. Mais je crois qu'il s'est. Bon, voilà, il a compris que l'autre, il n'allait pas céder et il se dit peut-être que le Bayern, ce serait pas mal aussi. Et je suis persuadé qu'au Bayern, il serait exceptionnel comme il l'est à Tottenham. Ça par contre, et à la limite, ça permet d'ouvrir un autre point sur la place d'Harry Kane, on va dire, dans l'histoire de la Première Ligue. Et tu l'as précisé un peu dans ton avis tranché. C'est vrai qu'un joueur capable d'être à la fois le meilleur buteur et le meilleur passeur, au-delà de la simple stat qui est déjà quand même assez extraordinaire. C'est juste que ça démontre la qualité technique ou la vision du jeu, ce qu'on peut appeler, on va dire, le QI foot de cet attaquant, qui ne se limite pas, bien évidemment, juste à conclure les actions, comme on a pu avoir à la grande époque les David Trezeguet ou Pipo Inzaghi, qui campaient dans la surface. Et lui, il participe beaucoup plus à la construction du jeu. On le voit même à certains moments tirer des corners, on le voit même à certains moments. On va dire dépasser le cadre de sa simple fonction d'attaquant de pointe, même de capitaine. Donc, c'est sûr que, par exemple, quand on fait la comparaison avec les Shearer, les Rooney principalement, et même tous les autres, est-ce qu'ils ont le même bagage technique que peut afficher un Harry Kane avec la même efficacité? C'est vrai qu'il y a un vrai débat. Shearer, de mémoire, il n'a pas du tout le même bagage technique qu'un Harry Kane. Maintenant, c'est toute la question. Bah, moi, j'ai le souvenir d'un buteur pareil. Alors, peut-être Ouais, c'est pas. ça, j'ai le souvenir d'un buteur, mais j'ai pas le souvenir d'un joueur plus complet, enfin en tout cas aussi complet que les Harry Kane. À certains moments, il pourrait même jouer, on l'a déjà vu, pas, mais presque en retrait, on va dire, d'une pointe, voire peut-être à certains moments d'un Son. Je ne dis pas là récemment, mais il a déjà pu évoluer dans ce registre-là. Et être tout aussi performant. Et pareil avec l'Angleterre, il n'est pas que ce numéro 9 qui attend les ballons. Donc c'est vrai que ça, sur ça, tu marques un point. Il peut avoir une chance de rentrer aussi dans l'histoire par ses performances au-delà de ses buts. Ouais, et alors en plus de du fait qu'il soit complet, je te dis, il sait marquer, il sait faire des passes, il sait la jouer collective quand il faut l'être. Je reviens juste sur on est obligé, effectivement, tu as eu raison d'évoquer Alan Shearer, parce que si ça ne devait pas être Harry Kane, je pense qu'effectivement, on décernerait la distinction de meilleur attaquant de première ligue à Shearer. Il y a clairement débat. Maintenant, moi, il y a une chose qui me dérange, entre guillemets, par rapport à Alan Shearer, c'est qu'on est, pour moi, presque pas en train de parler du même championnat. Alan Shearer, il est en train d'exploser en première ligue
On est d'accord, on est dans les années 90. Il fait l'essentiel de sa carrière dans les années 90. On n'est absolument pas dans la première ligue d'aujourd'hui. Déborde un peu sur les 2000, mais oui, clairement, c'est un joueur des années 90, pas des années 2000. Ouais, clairement. Voilà. Donc, on n'a pas le même niveau affiché. J'en veux. Regarde, j'ai été regardé par curiosité pour me donner une idée de situer un peu comment était la première ligue à l'époque Alan Shearer, parce que forcément, j'ai étudié son cas parce que je me suis posé la question de savoir si éventuellement ça pouvait être lui. Un truc qui va quand même symboliser le niveau du championnat à son époque, j'ai regardé les finales de Ligue des Champions. Il y a un vrai trou pour les clubs anglais, je t'assure. C'est-à-dire que tu as une finale, malheureusement la fameuse finale Juve-Liverpool de 84-85, avec le fameux drame d'Uzel. Et après, c'est sujet tabou pour les clubs anglais. La suivante, c'est 98-99, le fameux Manchester-Bayern. Donc, il n'y a pas un club anglais qui est là en finale de Ligue des Champions. Ça te situe quand même le niveau des clubs à cette période-là, quoi, quelque part. D'accord, je suis d'accord. Donc, on n'est absolument pas sur un championnat Élitiste, aussi comparable. performant et aussi exigeant que celui dans lequel évolue Harry Kane aujourd'hui. Je suis Alors, assez. ça n'enlève pas le mérite de Shearer, bien sûr, hein, mais aujourd'hui, il aurait peut-être plus de mal à marquer autant de buts. Bien sûr, tu as raison. Et c'est pour ça aussi qu'il faut bien préciser que dans ce genre de, on va dire, de débat où on élargit un tout petit peu le spectre et le prisme, on va dire, du débat, il n'est pas sûr forcément les stats pures. Évidemment qu'en 30 ans, c'est le fameux philosophe Kylian Mbappé qui l'a dit, le football, il a changé. Donc, évidemment, qu'entre le football des années 90 où Alan Shearer commence à démarrer et le football d'Harry Kane de 2023 où il performe et surperforme, évidemment qu'il y a un gap. Et ce gap-là, ni toi, ni moi, ni même des grands analystes, on pourrait arriver à le quantifier parce que bah c'est il y a de l'affect, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Donc évidemment, encore une fois, dans ce débat-là, ni toi ni moi, on pourra, on va dire, avoir le dernier mot. Et donc à partir de ce moment-là, c'est le meilleur ou c'est pas le meilleur. On se pose la question et en se posant la question, tu as raison de mettre ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas occulter que le football anglais des années 90, post-Ezel et post-suspension, parce que dans ce que tu dis, il faut bien préciser, pour ceux qui n'avaient pas compris, que les clubs anglais sont suspendus de la Coupe d'Europe pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, il n'y a pas de compétition européenne. Donc forcément, le championnat est dévalué. Forcément, les joueurs, encore plus à une époque où il n'y avait que trois étrangers dans les clubs, forcément, ce n'est pas le même niveau de ce qu'on peut avoir maintenant en première ligue. Mais, et c'est là où quand même le cas d'Alan Shearer et même de Rooney peuvent se rapprocher, c'est que c'est des gars qui ont aussi marqué leur génération à l'image d'un Harry Kane et qu'au-delà même d'avoir marqué les générations, ils sont rentrés dans les esprits. Et moi, c'est à la limite la dernière question que je pose en guise de conclusion du débat, c'est est-ce que vraiment Harry Kane a conquis les cœurs pour devenir véritablement, aux yeux du supporter, pas que de Tottenham bien évidemment, mais de l'amateur de foot, est-ce qu'il est vraiment considéré comme le meilleur attaquant de première ligue? Et là, encore une fois, j'en doute. Mais bien évidemment, je ne le mets pas en top 5, top 6. Évidemment, il est dans le podium, et il est peut-être deux. Mais je ne sais pas s'il est encore bien rentré, on va dire, dans l'esprit de tout le monde comme la référence ultime du meilleur attaquant de première ligue. Non, mais c'est une vraie question. Après, si tu poses la question à un supporter d'Arsenal, je te garantis qu'il va te répondre non. Ça, c'est Il n'est sûr. pas du tout à poser la question. Mais en tous les cas, pour conclure, là, on est en train d'évoquer trois joueurs énormes. D'ailleurs, on est en train de parler des trois seuls joueurs qui ont dépassé la barre des 200 buts en première ligue. Donc, tu vois, c'est pas pour rien qu'on en parle. Ça reste trois énormes joueurs. Après, il y a de l'affect qui va rentrer là-dedans. Moi, c'est voilà. Encore une fois, je défends Harry Kane parce que c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur que je trouve, encore une fois, je le répète, mais que je trouve complet. Et c'est pour ça que la question, est-ce que c'est le meilleur attaquant et pas est-ce que c'est le meilleur buteur, c'est pour ça que pour moi, il l'est parce que
Un attaquant, ça n'est pas juste un buteur et ça n'est pas juste combien de buts il a marqué. Il fait des choses que Shearer ne savait pas faire et que Rooney savait peut-être un peu plus faire que Shearer, mais de façon moins efficace que Kane. Oui, peut-être, voilà, peut-être sûrement de manière moins efficace. Donc après, encore une fois, tu l'as dit, c'est une histoire de sensibilité, d'affect. Et après, encore une fois, c'est ce qui amène le débat et nous permet de nous poser ce type de questions et nous replonger aussi pareil, parce que ça permet de revoir et de reparler de certains noms. Tout à l'heure, j'ai sorti un Robbie Fowler. Ben, c'est vrai, quand on regarde, ah, c'est vrai, un Robbie Fowler de Liverpool, mais c'est pareil, ça. Ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est un football un peu entre guillemets d'un autre temps et que Même si ça ne rajeunit pas tout déjà ça, et en plus la première ligue elle a énormément changé ces dernières années et on peut pas l'occulter dans le débat, on va dire. complètement, complètement. Après, il sera intéressant de savoir si ce que va faire Harry Kane, on n'a évidemment pas la réponse, mais tu penses qu'il va partir? J'ai peur que malheureusement il puisse me finir par me donner raison, parce que s'il part là maintenant tout de suite du côté du Bayern, il ne va pas pouvoir enchaîner. Certes, il va pouvoir peut-être agrandir l'armoire à trophées et peut-être rentrer plus dans le cœur des gens supporters anglais, mais dans la fameuse histoire, la fameuse histoire de la Première Ligue, bah oui, s'il part au Bayern, forcément, ça va s'arrêter là. Et je pense que ça rentre vraiment dans sa réflexion, savoir s'il part ou pas, parce que je pense qu'il a envie de marquer l'histoire de la première ligue. Il l'a déjà fait, mais s'il pouvait terminer en étant meilleur buteur et dépasser Alan Shearer, je pense que ça lui ferait plaisir. Et je pense que la Mais boucle bon. est bouclée et il serait très content. Bah écoute, il y a un chroniqueur, Fabien en l'occurrence, qui nous dit généralement à la fin, moi j'attends, je vais prendre les pop-corns et j'attends de voir. Bah écoute, je vais lui prendre sa Maxime et là vraiment, je vais prendre moi aussi mes pop-corns et j'attends de voir ce que ça va donner parce que tu l'as dit tout à l'heure, avec le président Lévy, c'est bon courage pour arriver à partir de Tottenham. Donc vraiment, sortons les pop-corns et amusons-nous. Bon, mon ami, Allez, on va là-dessus, t'as c'était raison. un plaisir de faire ce débat avec toi. Bah, plaisir partagé, ravi d'avoir rejoint la bande de copains. Allez, c'est ça. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du FC Copain. Salut, les copains. Ciao! Salut. Raphaël Léao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr a son prime. Il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit du ouf. C'était pas parti des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. FC Copain.